Avant, le Congo était faible à cause des antivaleurs. Maintenant, nous voulons aller vers un Congo fort avec un état de droit. Président Papi Tshamala. Congo fort, Congo fort. Lisanga ba Congolais, tosanga ni poto longola ba antivaleurs. Tosa
Sengo, ensemble Nabino ba mama, le longa la osengaka na ba mama. Ba mama nyonso ya mokili mobimba, totelema na sima ya honorable papi Chamala, mwana na biso ya mboka, ndeko na biso, frère na biso, yaya na biso, leki na biso, noko na biso, totaye maboko akende liboso. Le lot a fêté tout l'axe Sengo, tout l'axe Mawate pour sa 4e anniversaire. 4e anniversaire, à tous les romans de Sengo, puis tout peut ses chances à Kené Liboso. Madame Bandara n'a pas. Si je peux paraphraser le dicton, le jargon, en tout cas, ça fait un bon Sankara pour Congo Fort. Merci beaucoup, Papa Lienzi. Congo Fort, ce parti qui est issu, qui est un allié de l'Union de la démocratie pour le progrès social et de l'UDPS en sigle. Ici à Paris, Congo Fort naît pour en fait renforcer l'UDPS. Est-ce qu'on peut dire comme ça, Papa Lienzi? Donc, Congo Fort est acquis pour la coupé sa béquille, la UDPS. Ouais, ouais. Voilà, en bon lingala. Et Congo Fort est né, aujourd'hui, il totalise 4 ans. Pour un petit calcul, si on fait un peu 2003-4, donc ça nous fait ça fait combien? D'abord, ça n'y calcule pas à mon boulot. 2003-4. 2003 moins combien? Voilà, on est en 2023. Hein, ça moins combien? 2019. Ah, maman, calcule mon tout passé. Très bien. Alors, en 2019, Congo Fort naît avec comme président Papicho Chamala, qui est en tout cas un père de famille, qui est marié, qui a eu son diplôme de gradué à l'ISTA, Ndolo. Il est donc un ingénieur. Et pour lui, son but, c'est d'apporter quand même un fruit pour la République démocratique du Congo, pour un Congo Fort. Et sa main forte, il le donne à travers la politique. Et avec son parti, ils vont postuler en fait pour ce mandat, pour ces élections qui vont démarrer au mois de décembre 2023 avec un Congo Fort puissant qui va représenter plusieurs candidats, plusieurs candidatures en tout cas pour être élu. Ah, parce que tu es en prière, tu es en prière, tu es en servant de Dieu, vraiment, tu es en mingi. Toutes choses au commencement, nous devons mettre entre les sentiments de Dieu. Amen. Nous allons simplement dire merci à Dieu parce qu'il a permis à ce moment que nous puissions nous retrouver tous ensemble pour lui rendre toute la grâce. Amen. Parce que si ce n'était pas Dieu, nous ne serons pas là ce soir. Amen. C'est simplement par sa grâce. Amen. Amen. J'ai dit merci à Dieu Tout-Puissant parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Lui qui nous a réunis encore ce soir dans sa présence. Nous voulons que ce moment se passe avec lui. Les débuts jusqu'à la fin, nous voulons que ce Dieu nous accompagne. Les dieux qui accompagnent le Congo, en ce moment aussi, nous voulons qu'il soit avec nous. Nous lui rendons toute la grâce et l'honneur qu'il mérite parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est Dieu qui mérite encore ce moment, nous voulons qu'il nous accompagne. Que ce Dieu soit loué et glorifié. Je laisse que ce moment, que le Seigneur nous accompagne à chacun de nous. Par le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Salut la Kobimba. Si vous avez la pose, vous avez décoré la salle, il y a mariage, anniversaire. C'est gentil. Tacos. Asa pe créatrice, asa la rama arnaye, asa la rama ba foulard, et balana la moi bilo ba matoi, et balana pena moi ba talon. Pour dire ma grande dame, il faut contacter, vous allez décider. Voilà, Justice Prosper Azawana, second niveau contacté, soit numéro naé, pardon s'il vous plaît. Comment ta karaté, ou ça la charisme, mettez soit numéro naé. Et ça la moi bien. Soit 06. S'il vous plaît, comment pardon. Bon t'as la table beauté et ça la ta moi bien. 06 23 45 62 50 06. Bonsoir, Justice. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre secret pour pouvoir, en tout cas, faire de la déco comme ça? Ben, le secret, c'est mes mains, c'est mes pensées, l'inspiration. Donc, comme Dieu il a dit, je veux bénir l'œuvre de tes mains. Donc, le Seigneur est en train de fêter à mes mains. Merci beaucoup, c'est très joli. Merci. 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 Merci.
petites valeurs. Maintenant, nous voulons aller vers un Congo fort. Avec un... Dans le niveau de la Milili, nous en avons contacté Pâture, Image, à Simba Pâture. En tout cas, s'il vous plaît, gardez votre attention, s'il vous plaît. Dans le barrage français, mais dans la salle, moi, semblant encore. Dès que nous avons battu français, j'ai fait exprès. Dans la salle, mon esprit. Dans le français, mais dans la salle, encore. Votre attention, s'il vous plaît. En tout cas, nous avons dit, nous avons dit, nous avons papa, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons. Est-ce que vous êtes libre à vous répondre là? Est-ce que vous êtes libre à vous répondre là? Est-ce que ma maman Basawa? Nasoyo Kate, s'il vous plaît. Est-ce que ma maman Basawa? Ba mamé? Banani babota na Yesu? Nasoyo Kate. Ba mamé? Banani babota na Yesu? Soki toke na église, banani batonda ka. Ah. En tout cas, les animaux vont me mettre un bon complet si vous allez. En tout cas, vous avez le nom de la poteau. En tout cas, la poteau. Moussala, vous avez les qui femmes de chambre. Est-ce que ma femme de chambre va savoir? S'il vous plaît, ma chambre, ma femme de chambre, Bazawa. Bazanga, gâte, Bazalaga, partout. Attends, ce qu'on a fait, attends, qu'on a matin, ma femme de chambre, Bazanga, gâte. En plus, il va te Bazalaga, il dit, songi, ma casse, il y a des bosses à ma femme de chambre. Songi, ma coute, elle est gâte, il va le misac, 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 il va le non, tu vas tuer. Courage aux femmes de chambre qui essaient en tout cas de rendre beau les chambres. C'est très important ce travail et c'est le mieux rémunéré, hein, aux femmes de chambre. Ah, c'est vraiment rémunéré. Rémunéré, voilà. Ah, en tout cas, dans le Congo, tout ça va minéré, tout ça va diamant, mais tout le monde va voter. Il y a minéré, diamant, c'est bien rémunéré. Minéré. Il y a des gens qui vont voter, tout ça va minéré. Il y a des gens qui vont voter, tout ça va bien. Il y a des gens qui vont voter, ils vont comprendre. Rémunéré. Rémunéré. Ré. Ah, on dans ma rémunéré. Ah, le bagarre, donnez le bagarre. Les femmes de chambre sont mieux rémunérées. Et c'est un travail pénible, j'avoue. Mais bon, à chaque chose qui s'appelle. Dans la vie, Pêche-Tanja,
et comment on va tomber dans comment finir ça, mais je tombe à mi ou terminé. Oh, il y a une autre explication. On a dit que vous avez 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 dit que vous Et là, vous avez un peu comme un député. Bien sûr. Il est déterminé, c'est qui a commencé au sein de l'Union de la démocratie, au sein de l'UDPS. Et il s'est fait démarquer, il a de la détermination. Et il essaie en tout cas de porter sa voix très haut. Et nous, en tant que journalistes, on ne peut que supporter les bonnes actes. Ah. En tout cas, vous pouvez dire à tout le monde français. En tout cas, vous pouvez dire français. Merci beaucoup.
The title of Africa Tonight. To the Congo, Congo. Thank you. Very much. Today's. D'accord, on va y aller. On va continuer dans cette soirée où Congo Fort totalise 4 ans d'existence. Dans la salle, nous saluons aussi la présence du président Chimba, qui est le président UDPS section Île-de-France, qui est parmi nous. Et nous allons continuer cette soirée avec Congo Fort, qui a en tout cas 3 actes dans son insu. Il y a fraternité, justice, détermination. Ce parti politique qui est déterminé en tout cas à rendre un Congo fort, uni. Papi Tshamala qui a eu à aller en tout cas taper du droit lui-même jusqu'à Goma où il a été pendant la guerre. Il était parti taper du doigt lui-même. Et à présent, nous allons le saluer, si je suis d'accord avec mon protocole. Nous approchons dans le vif de notre soirée aujourd'hui, 4e anniversaire de Congo Fort. Ce soir, essayons de pouvoir accueillir cet homme, Papi Tshamala, qui est en tout cas déterminé à mener un combat pour avoir un Congo Fort. Juste quelques minutes, vous pouvez rester un peu debout, comme ça on va essayer de l'applaudir pour qu'il retrouve encore de la force. Donnons-lui la force pour qu'il puisse continuer dans cette lutte d'avoir un Congo fort, un Congo puissant, un Congo déterminé, un Congo qui a la justice, un Congo qui a la fraternité, un Congo qui reste debout, un Congo qui est fort. Papi Tshamala, l'entrée du président de Congo fort. Congo, Congo, fort.
de l'ISTA. Il est donc un ingénieur et il a œuvré, en tout cas dans la politique. Il a été interprète, il a été au sein de l'UDPS, Union des Progrès Socialistes. Il a œuvré dans plusieurs, il est activiste, il a fait des formations en sapeur-pompier. En tout cas, c'est quelqu'un qui se bat. Honorable Papi Tchamala, azokonda kaka pona peuple. Moutoyo andima akumisa nyoso pona peuple congolais. Moutoyo andima ko sacrifie vinaye makamunyoso pona peuple. En tout cas, faut que ça me la ramingi pona honorable Papi Tchamala. Apesa vinaye liboso a peuple. Naye baka nazana témoignage moko pona honorable. Allez-y. À l'époque, na honorable, na 2020, ceux qui n'ont pas ces souvenirs, honorable Papi Tchamala, a dit sa maya misu na peuple, a zolé la, na tuna, na l'obi honorable, a zolé la ni, a répondu à l'obi papa li a dit, pas si y a congolais et ça n'a pas si nanga. Parce que nous sommes congolais de père et de mère. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Kinshasa. Nous sommes congolais qui sont passés, Dans la salle, nous saluons aussi la présence de Sophie Béa, qui est secrétaire nationale de l'ACP. L'ACP qui est un parti cher à Gentil Ngobila, qui sont aussi dans la salle. En tout cas, applaudissez aussi quand même pour eux. Hein. Ils sont aussi dans la salle, ils sont venus honorer. Ils sont venus honorer Congo Fort. Nous allons passer à présent à un moment spécial où nous invitons Madame Grace Tshilanda qui va avoir un mot de circonstance pour cette journée, pour cette nuit. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes timides là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, on est content d'être là, n'est-ce pas? Amen. Je suis très heureuse de vous voir. Merci d'avoir honoré Congo Fort. Merci d'être tous présent ce soir. Je te souhaite la bienvenue ici. Tant que je n'aurai pas l'attention de tout le monde, je ne vais pas parler. Merci. Alors, je te souhaite la bienvenue ici. C'est sûr que tu te demandes pourquoi est-ce que je te tutoie. Je te souhaite la bienvenue ici. J'avais dit que tant que je n'aurai pas l'attention de tout le monde, je ne vais pas parler. Ah oui. Je te souhaite la bienvenue. Merci. Alors, tu es certainement en train de te demander pourquoi est-ce que je te tutoie. C'est fait exprès. Parce qu'en fait, chez Congo Fort, on est tous des camarades. On est des camarades parce qu'on a un même objectif. Et si tu es là ce soir, c'est parce que tu as un intérêt pour le Congo, notre pays. Alors, nous sommes ce soir en train de partager un verre à l'honneur de l'anniversaire, du 4e anniversaire de Congo Fort. Congo Fort est né le 1er juillet 2019. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Et nous avons pu organiser ce moment pour partager notre joie avec toi. La Bible nous dit, dans Jérémie 29, 11. À
car je connais le projet que j'ai pour toi, dit l'Éternel. Le projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Grâce à Dieu, le président Papi Tshabalala a eu une vision. Cette vision, il a nommé Congo fort. Comme qui dirait, tu proclames ce que tu dis. Même si je ne vois pas encore aujourd'hui le Congo fort, dans mon esprit, je l'ai déjà vu fort. Parce que c'est ce que Dieu me l'a dit. Et Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour le Congo. Alors pour la petite histoire, je fais partie des premières personnes à croire à cette vision. Et d'ailleurs, je suis la première à avoir filmé M. Papi Tshabalala en disant « Regardez cet homme, vous entendrez parler de lui. » Parce qu'il vit avec quelque chose de nouveau, un Congo nouveau. Il combat les antivaleurs. Et depuis ce moment, nous avons pris la décision de nous réunir de réunion en réunion. Nous sommes allés sur terrain. Nous avons conquis des jeunes qui sont nés ici, qui sont congolais, d'aimer la terre de leurs ancêtres. Nous avons été auprès des orphelins, dans des écoles qui avaient besoin pour partager ce que nous avions. Et nous ne sommes pas restés là. Nous sommes allés jusqu'au Congo. Monsieur Papi Tshabalala, cet homme courageux, est parti au Congo dans des endroits terribles du Congo, là où les gens n'osent pas aller, dans l'est du Congo. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent, l'année dernière, pour ceux qui prennent des nouvelles, cette année, l'année dernière, au mois d'octobre, pour être clair, nous avons failli perdre notre président. Parce qu'il est allé là où les gens ont peur d'aller. Parce que le Congo, ce n'est pas seulement à Paris. Le Congo est aussi au Congo, le Congo profond. Et il est allé jusque là-bas. Pour dire, Congo fort, nous luttons et nous œuvrons avec des femmes et des hommes de valeur. Ces hommes qui sont des hommes de caractère, qui donnent de leurs moyens pour que notre vision puisse se faire entendre. Nous voulons lutter contre les antivaleurs. Et dans notre persévérance, nous nous battons aussi pour la 4e République. C'est une division de notre président. Pour arriver à faire ce qu'il a fait, on est parti d'une association et aujourd'hui, au bout de 4 ans, nous sommes un parti politique. Applaudissez pour ça, chers amis. C'est 4 ans de difficultés, 4 ans de recommence, 4 ans de persévérance. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes encore en route et on continue à se battre. Pas pour avoir le pouvoir, mais pour voir le Congo changer. Mais aujourd'hui, on fête, mais on met en avant nos projets, notre envie. Si vous êtes là, je pense que même si vous ne faites pas partie de Congo fort, vous êtes certainement dans des partis politiques qui veulent voir le Congo changer. Mais je n'ai pas l'attention de tout le monde derrière. Je suis sûre que toute personne qui est ici veut voir le Congo changer. Certainement, vous avez reçu l'invitation, vous êtes dit, si c'est pour le Congo, je serai là. Et nous profitons parce que nous sommes des frères et sœurs. Au-delà de ça, nous allons partager un moment convivial. Il y aura de la musique, de la diversité et de quoi manger. Vive Congo fort. Congo fort, viva, viva, viva. Fraternité, justice, détermination. Je vous remercie. Merci Madame Chinonda Grasse.
Nous allons continuer sur cette lancée, mais cette fois-ci, nous invitons le président de l'UDPS Île-de-France, M. Chinchimba, qui va, pour cette fois-ci, donner son point de vue, son témoignage pour ce jeune homme, ce grand homme qui s'appelle Papi Tchotchamala. À vous l'honneur. Bonsoir. Bonsoir, président. Balobi Ozana, il est en et en Renouba pour le président et à Congo Fort ce soir. Ça y est, ça m'a mis dans le passé, mais basé sur la zone Malinda, la bien, mais sur la zone en français bien. Merci beaucoup. D'abord, je vais, avant de porter notre témoignage, je vais rectifier un peu. Je ne suis plus président de l'Île-de-France. Je suis devenu président, premier vice-président et représentant de l'Île-de-France en France. On a commencé. Ça fait. Bonsoir, camarades. Chers compatriotes, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour honorer notre camarade et président du Congo Fort, M. Papi Tchotchamala. Alors, à ce moment, nous prenons la parole au nom de l'UDPS. Vous allez constater que l'UDPS est là représentée. Pourquoi? D'abord parce que Papi Tchotchamala fut un de nôtres. On a eu à cheminer ensemble pendant un bon moment. Et ce qui nous a amené ici, c'est que Papi Tchotchamala a pris le courage en tant que jeune de se prendre en charge. Vous savez que c'était toujours une prophétie de notre mentor, de notre guide, de reste mémoire, le Sphinx de l'humanité. En prenant ce courage, au début, Papi Tchotchamala avait... Pardon, président. Donc, Papi Tchotchamala, Papa Étienne Tshisekedi, à Monaï. Papa Étienne Tshisekedi, à mon abana ebele, mutuna mutuna ndenge na ye. Alors, ce qui n'a l'oubli, que prophétie wana ya, qu'on se prendre en charge. D'accord. Et zali prophétie moko, ce qui mouto vandu, a komona quand même que, tant que zali moutou, surtout un jeune, il faut y'a se prendre en charge. Et zali ko, englobe, ba domaine nyoso ya, vie. Yo jeune, ou vanda ka nanda ou goete, nanda ka ba parent, ou so koli, on les a il faut se prendre en charge. Alors, Papi Tchotchamala, mon ami qui est colis, comme il a guéri, il ne s'est plus en charge. Je vais vous demander vraiment de l'applaudir parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, tous les autres là aujourd'hui, c'est pour soutenir l'initiative là-bas, la jeune Oyo, parce qu'il faut se prendre en charge. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours pour l'irréalisme politique dans la catégorie. Et je crois que Papi Tchotchamala a véhiculé parce qu'il a reconnu la valeur. Oui, c'est là qui est, tout ça, maintenant, il est, peut évoluer, il est. Mais, et là, comme on a évité ce qu'il y a dans la langue, parce qu'il existe à la soude, dans mon acquis, il y a à côté, mais la peine de mort. Bon, tu évite ce qui est devant les agagas, parce qu'il existe à la soude. Bon, les amis, le voyou. Dans mon pilote, il existe à la présence de son unité, surtout dans le monde de la démocratie. Peut-être que parmi l'innovation, en tout cas, Papi Tchotchamala, toujours loué courage, parce que ce n'est pas facile dans la carte à Paris, pour ça que ça va plus, la tendance est de l'évoluer. La politique, les alliés, les tourmentés, les alliés, les sociétés, les alliés, les idées, les échanges avec les idées. Et nous pensons que Papi Tchotchamala, les alliés, en vol, c'est pourquoi on est là, qui est nous donnant un honneur. Témoignage, n'a plus de zéro à faire. A tout ça, l'honneur, n'a plus de zéro. C'est toujours souhaité qu'à Kine Liboso, parce que les lots, il y a nous donnant un homme pour le bel abiso. Ah, ouais, tu es bon à vous fêter, bon à y être, tu es bon à vous discuter. En tout cas, merci beaucoup. Merci, président Papucho, pour ton courage, pour ta détermination. Et au nom de l'UDPS, j'ai toute l'équipe de l'UDPS là-bas qui vous souhaite bon vent. Merci beaucoup, notre président général, vice-président fédéral de l'UDPS. Nous allons encore recueillir un témoignage. Il y a le docteur, parce qu'on a
On a eu un homme, il faudrait quand même apparaître, hein. Une Merci. Femme qui va témoigner aussi pour le président Congofor, Papito Tshabalala. Honneur à toi, honneur à vous, madame. Merci. Bonsoir, madame. Vous avez un témoignage particulier à adresser ce soir à Congofor. On vous écoute. Merci. Mesdames, messieurs, honorables invités, bonsoir. Bonsoir. Je suis le docteur Joyce Otto. Et donc, architecte, donc polytechnicienne, je dirige un patronat et un parti politique, donc le mouvement de la diversité républicaine. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré notre cher président, Papy, qui est quelqu'un de remarquable. Alors c'est quelqu'un qui nous a impressionnés par son sens du leadership, par en fait son sens du courage, et surtout ce que j'appelle le Leadership New Deal pour le Congo. En fait, une nouvelle écriture de ce Congo-là. Alors, il aurait pu, comme beaucoup, rester, en fait, se cantonner à être un enfant de la diversité. Mais il s'est levé, en fait, pour écrire cette nouvelle histoire. Il s'est levé, en fait, pour redessiner les contours économiques, culturels, industriels, technologique du Congo. C'est donc dire que aujourd'hui, à l'heure où l'on parle énormément de l'émergence de l'Afrique économique, je pense qu'il avait saisi déjà très tôt qu'il y avait une grande part en fait aujourd'hui pour pouvoir en fait impulser un nouveau courant. Et en tant que leader politique, en tant que futur gouvernant, je dirais que cette écriture-là ne peut se faire sans vous en fait. Si vous n'êtes pas à ses côtés, si vous n'êtes pas ouvert, ce ne sera pas possible. Parce que, comme vous voyez, le Congo, en fait, a arraché la palme du leadership culturel. C'est-à-dire que musicalement et dans d'autres domaines, le Congo est vraiment, la tête de proue. Alors, aujourd'hui, fêter, se retrouver ici pour pouvoir avoir cet événement, c'est pouvoir dire au président Papy, merci. Pouvoir dire au président Papy que ce n'était pas facile. Être un leader politique, c'est braver les humiliations, c'est braver les incrédulités, c'est braver les comptes bancaires, c'est braver en fait même tout ce qui se passe par rapport aux aéroports. C'est se braver soi-même en fait, c'est avoir de fortes convictions lorsque l'on sait que malgré la pandémie, malgré les guerres, c'est quelqu'un qui s'est levé, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui a décidé de faire partie, en fait, de ce qui parle de New Deal. C'est ce que je voulais vous dire. S'il vous plaît, si vous aviez quelques réticences, n'hésitez pas. C'est l'homme du New Deal. Je vous remercie. Merci, docteur. Papito Tshabalala, l'homme du New Deal. Nous saluons dans la salle la présence de la Fondation François Mitterrand, qui est représenté ce soir par Patrick Muteba et François Muteba. Nous allons continuer sur cette lancée, un dernier témoignage, cette fois-ci de l'ACP. Une dame qui a vu comment ce monsieur a commencé. Madame, approchez-vous s'il vous plaît. Une dame qui l'a beaucoup soutenue politiquement. Une dame qui était là et qui est là ce soir. Nous allons l'écouter sous vos ovations s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je préfère être bilingue pour ma meilleure compréhension de nous. Je suis Sophie Béat, je suis secrétaire nationale chargée de l'encadrement des élites de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à Gentiny Ngobila Mbaka. Ce soir, je suis venue dans la salle pour essayer d'encourager et de féliciter Papy Tcho. Parce que j'ai vu Ndenge Abandi, en 2019, j'étais là le jour où il a fait la sortie officielle de son association. Nous avions combattu ensemble, j'étais à ses côtés, mais le chemin nous a séparés. Il est resté dans Congofor et je suis partie dans ACP. C'était pour vous dire que Papy Tcho, ce n'est pas n'importe qui. Papy Tcho a subi quand même des humiliations, des coups bas,
mais il n'a pas laissé Congo Fort. Et aujourd'hui, Congo Fort est comme une partie politique. Pour la yango da bito bete da na ngwa ba ba ya na ma bo. Il est jeune. Deux fois qu'il sacrifie sa famille pour l'intérêt à Congo. Nous sommes là, nous tous. Ce n'est pas tout le monde qui sacrifie quand même sa jeunesse ou sa famille pour l'organiser comme on est la Congo. Et ça, dit tout bas, au bisogno, surtout aux Obunda. Ce n'est pas facile, mais nous allons y arriver. On a dit que dans le Congo, il faut changement de mentalité. Et mentalité, wana et kouta awa. Vraiment, la Kosenga, Bandeko, Bakoki, pour soutenir Ndeko Nabiso Papi Tchotchamala. Donc, pour soutenir la diaspora, pour Bazo Kende Kinshasa, pour la Komeka, pour le changement de mentalité, wana. Na Sengi Bino, tout ça, la Yango et Longo. Parce que Biso Nyo Sotou, intérêt Nabiso Ezali Congo. Alors, pour la Congo, tout le pèse à la pour le changement de mentalité, pour le Mokonja Boka, Bazo Kosenga. La Bessie Bino, merci Mingi. Merci. Merci beaucoup, ACP, parti cher, agent Mingo Bila. Maloïsa, de bon, na souka. Kalate, bon, mon amour, n'est-ce pas, l'ennemi. Hein, bateau, 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 bateau. Excusez-moi, je ne sais pas trop m'exprimer en public, vous allez pouvoir me supporter. En fait, Congo Fort, c'est d'abord un sacrifice. Au début de notre mouvement, les choses n'étaient pas assez roses. Il y a eu des moments très difficiles, il y a eu des arrivées et des partants. Donc, comme vous le savez tous, c'est pas facile de gérer les Congolais. Donc, c'est vraiment un sujet très, très, très difficile de gérer la Congolais. Quand Motosangani, avec notre président Papi Tchamala, nous avons pensé que peut-être nous serons peut-être utiles à l'avenir pour notre pays. Nous lui avons fait confiance, il nous a fait confiance également. Mais il y a une petite rectification que je vais faire. Je ne suis pas secrétaire général. Hein. Notre secrétaire général est absent. Peut-être pour des soucis de famille ou bien des soucis professionnels. Moi, je suis secrétaire général adjoint chargé des finances et milieux. Mais je suis souvent présent, tout comme absent, mais dans des grands événements comme ça, je suis toujours là. Donc, je vais vous parler de Congo Fort. Quand vous voyez le président Papi Tchamala, vous devez aussi penser à tous ces sacrifices derrière. Des pères de famille, des hommes et des femmes, qui sont là derrière en train de seconder, de donner le peu qu'ils peuvent avoir pour la, qui est Congo Fort et le Mandeng et le Viti de l'autre. Ce n'est pas chose facile en tout cas, je vais vous dire, parce que des fois, même pour sortir un peu de ce qu'on a, donc il faut se battre. Donc le président, comme il est là, vous avez pu constater, même dernièrement, je fais éloge à son courage, il a failli laisser sa peau pour Congo Fort. Si aujourd'hui nous fêtons Congo Fort, l'anniversaire du Congo Fort, c'est aussi fêter son courage. C'est lui notre... Ce soir, nous invitons Madame Clarisse Mouyoli, qui va en fait aller droit au but. Donc c'est elle qui va marquer le but en présentant le président Papi Tchotchamala. Madame Clarisse Mouyoli, sur votre ovation, s'il vous plaît. Sur votre ovation, s'il vous plaît, Madame Clarisse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je commence par me présenter. Moi, je suis Madame Clarisse Mouyé-Bingasebe. Je suis directrice de cabinet du président Papi Tchamala et je suis secrétaire générale adjointe en charge de la diaspora. Je vais appeler notre grand président, le président national, international, le président Papi Tchamala. Président, je vous demande de vous approcher.
qui motive. Vous le savez, ici en France, tenir un parti politique n'est pas facile. Franchement, un monsieur au grand cœur. Vous lui jetez tant de fleurs. Merci beaucoup, président, pour votre courage. Merci. Président, Papito Chamala, né de père et de mère congolais, un Congolais qui lutte en tout cas pour les anti-malheurs, un Congolais qui lutte pour un Congo fort. Trois mots, lorsque vous voyez Congo fort, fraternité, justice et détermination. Ce soir, nous allons l'entendre parce que les grands hommes, c'est les idées. Et ce soir, nous allons entendre que veut-il, où va-t-il arriver. Je demande votre attention, s'il vous plaît. On va écouter M. Papito Chamala. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, distingués invités, présidente, président de parti politique, association, docteur, étudiant, artisan, ouvrier, femme maraîchère, vous avez laissé vos préoccupations respectives pour venir répondre à cette invitation de Congo Fort. Sur ce, je vous dis un sincère merci du fond du cœur. À tous les camarades de lutte, les femmes, les hommes, jour et nuit, de réunion en réunion, conférence en conférence, votre argent des poches, vos finances, pour soutenir l'existence de ce mouvement qui est Congo Fort. Chers camarades partout dans le monde, vous qui êtes en Afrique, au Congo, partout dans les provinces, dans la diaspora, je vous dis un grand merci et continuons, nous sommes sur le bon chemin et pour rendre le Congo qui sera réellement fort avec vous et par vous. Avant de commencer mon propos, chers compatriotes, je vais vous demander une minute de silence pour nos morts. Il y aura ceux-là qui sont sacrifiés pour que nous puissions avoir la liberté au Congo, surtout ceux qui sont à l'est du Congo. Si vous le voulez, vous pouvez vous mettre debout afin que nous puissions observer une minute de silence pour nos compatriotes. Merci beaucoup. Qu'est-ce que Congo Fort veut? Congo Fort a l'ingi nini. Est-ce que tu es au Canada? Oui, je suis président. Toujours comme président. Je n'ai pas compris? Non, juste parler en lingala. Je vais parler en lingala pour nous appeler à l'aise. Merci beaucoup pour votre compréhension. Donc, Congo Fort a l'ingi nini. Congo Fort aligné rupture. Congo Fort aligné te Congo ezala à genoux. Congo ezala à genoux c'est quoi? Congo Oyo yé a dépendre à Libanda. Allez là les akaka. Oyo va Congolais bango moko balo bakeno. Toteka Congo. Tobuaka Congo.
Donc, il y a un Congo fort à Yefo, à rêver, à rêver, à rêver, que non, nous tous, Congolais, nous sommes obligés de nous prendre en charge. Comme l'avait dit le leader Maximo, Étienne Tshisekedi, Wamuluma. Nous sommes là pour rêver ces esprits-là, à ce que le Congo soit réellement fort. Le Congo qui est fort, c'est celui qui défend le Congolais, qui défend le plus démuni, qui défend le plus faible. Le Congo juste. La justice pour tous. Oibi Ozala, ministre Ozala Wapi, Bakangio Bachela Lubwako. Je suis pour la peine de mort. Moi aussi. Président Chim, désolé. Je suis pour la peine de mort. Pour la pour les vols, les détournements de biens publics. Bana, Bazali Kokufwa, Moka, Ezali Kokufwa, Poanini, Moibi et Leki. Est-ce que Togotika, Moka, et qu'elle est tout droit dans le mur? Non. Non. En tant que les enfants des pays, des pères et de mères. Ton père ami, ton ami? Non. Natiluba, ton. La Lingala, té. La Swahili, Apana. La Kikongo, vert. Maman, pour la Bina. Ton Zali, on a pour la Senga, rupture. Ton Lingi, système Oyo. Il y a un tombeau qui va après la pouvoir. Ils ont la bonne idée. Congo, ils ont la bise. Non, ça. Tata, bon. Mako. Maman, bon. Mako. École, bon. Mako. Mon cousin, bon. Mako. Est-ce que vous voulez mon père, la petite tata? Mako. 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 Pachi, béton. Oui, les gens Congo. Congo fort, Alingi, Bouzoba. Alingi, Moutunio, de la Congo, Azala, la place Naye. Autant de classe Nayo, Bapesio, Moussala, c'est la classe Nayo. On mérite Esika, Bapesio, Esika Nayo. Les logos Congo fort, Azoluka. Quand on dit Congo fort, et la réellement fort pour nous rendre justice dans notre nion sort. Oui, amen. Tout le monde va passer à Nicolas, on a fait pour nous faire un bongo. Et donc voilà, il faut ici là. Disons Congo fort. Si je suis en train de faire béton, je suis en rupture. Oui. Tout, on va passer à ma bête, comme un foutu. C'est la justice qui élève une nation. Sans cela, c'est mort. Rien, c'est la justice au Yubi, au Yubi, au Salimabé, au Kouti, et ça existe. Vous emmenez à Yubi Sarabato. Mais dans le pays, au Salimabé, au Kouti, et ça en est bon partout. Sauf à mon élo, Oyo, Bananyo, Machine, et ça l'indé, et ça l'iwana, parce que Kuna, au Sakani, dans le Beko et à l'État, vous avez un Foka, pardon, Bakangio, Japon, Bakangio, États-Unis, regardez toutes les grandes puissances, Bazali Kuna Namini, la peine de mort. Ce n'est pas que non, moi, ça croyant. Ça, c'est pour l'État. Pour l'État, devons rendre justice. Mbora Nabiso, mentalité et ses bébés. Puis on se prône changement de mentalité. Changement de mentalité là, les amis, pour la guerre, ma belle Oyo, bizarre les amis, sont dans un endroit congolais et changé. Tu vois, là, les locaux de tous les gens, tu peux dire Ernini, 17h, tu es Ernini, 20h, 21h. Tu peux mettre 3h au Bimba, pour la cause de la vie, sont encore. Donc, les amis, sont déjà trop bon. Mais même pour la time is money. Donc, on va être plus beau. De pénaliser par mot. Et l'autre rôle que non, nous devons changer notre mentalité, notre façon de faire les choses. Bonjour. Après, on a Tozali, lutter contre Banti voleurs. Banti voleurs ne battent pas à genoux. Si vous voyez le Congo aujourd'hui, là où il est,
nous sommes le pays le plus riche du monde. Le premier. Dans la matière première. 80% des terres arables, Oyo, Batubaoli, Bostala, Bilanga, Afrique, Bimbélié, mais Congolais, alors préféré, Atika, Bostala, Bilanga, Ayana, centre-ville. Si on a sali Bilanga, Bazoko, marginalisé, Guénon, Yassala, Bilanga, Bostala, Pama, Pama. Mais pourtant, la mort, tout le monde aux Ali, c'est Bilanga même donné sa maman. Donc, puisque Congo, faut que vous sachiez le Guénon, il n'y a pas de saut métier. Mais ça, c'est important. À la photo, la plupart des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Onyoso et dans la mort à la biseau, nous devons utiliser ça pour tous les rentrer biseau mon corps. Utile. Utile, peut-être la paix, il y a un indépendant, autonome. C'est ça qui va faire que non, Congo est là réellement fort. Ce n'est pas en exportant toujours. Et pas la biseau, tu as en matière première. Bazou yango et pas la minele, bazou yango, ma kenango. Bazou yango, ma kenango, matière finie, à peu chère. Mais attends, nous pouvons toujours rester des moutons. Mais non, Bison Diaspora, tout ça, les tombes très important à Mokana pour changer, parce que nous avons vécu à l'extérieur, nous savons des réalités, et puis nous pouvons amener notre expertise dans Congo Mokana et avancer. Donc, Congo Fort, champ de bataille, lutte contre les antivaleurs et changement des mentalités. Né Oyo, Bison Congo Fort, tout ça, les comprenez. Est-ce que beaucoup qui comprennent les gens à Mokana pour la voilà? Congo Fort, Alingi, 4e République. Alingi, qui est constitution actuelle, Tolomolango, Totia, constitution Yassika. Pour Alingi, pour constitution Oyo, Tosanango, Ezali Oyo, et Salema Libanda. Congolais, mon côté, a participé à l'élaboration de la constitution Oyo. Ezali Kaka, Bamindele, Bazuyango, Awa, Baeba Mbiso. Parce que la constitution est spirituelle. Spirituelle à sa ligne. Constitution de Esika, Baya Kozoua, Maïele Nyonso, Makalisi Nyonso, Pa Otamusa, Mboka. Mais on a dit ça, constitution est Salema Libanda. Donc, tout le monde a esprit à Mindele na Congo. Il y a un mot qui est Nyonso, Ezali Kaka, Mabe. Mokoza Mboko, Ezali Awa, Asali Makambo, Ebele, Amalamu. Mais Ezali bloqué la ligne. La constitution OE. Il y a un fils aux alliés qui prenait pour 4e République, nouvelle constitution. Donc, il faut appuyer fils sur la Eloquana, Toké Nenango, l'Elo OE, tout ça va processus électoral. Et ça, parenthèse dans Fongoli. Mais nous avons un bon Dimelanga, n'est-ce pas constitution les alliés Wana? N'a pas façon OE, ma partie politique, les alliés organisés en Congo. Mais nous avons un pour tout le monde a bien, ce n'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que au Congo, les accords se passent seulement sur des hommes, pas sur le projet des sociétés. Les amis, quand que non, hein? Botchayoana, donc c'est du théâtre pur et simple. Donc on ne peut pas diriger un pays dans la comédie. Parce qu'il y a une constitution qui a été prise de l'extérieur. Qui nous bloque les pieds, on ne peut pas avancer. Impossible! Impossible! Le président actuel a sali ma mémoire. On a quoi une mérité? Gratuité de l'enseignement, de leadership à Congo et Zongi, Tomoni ba. Et oh ya. État de siège, de l'eau, Moni Kagame a commis agité. Pour un mini, parce que l'état de siège est allé au conseiller. Tout le monde a une agitation partout. Pourquoi? Parce que le président il a vu le bon. Et si il est bloqué, donc aujourd'hui, avec cette constitution, ça ne marchera jamais. Donc nous devons passer à la 4e République, refaire une nouvelle constitution avec les Congolais des pères et des mères. Et des mères, bravo! Voilà! Je ne vais pas me prendre mon
Écoutant, qu'est-ce que nous proposons? Tu as dit qu'on proposait. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Donc, comment faire avant de proposer pour qu'il y ait la 4e République une nouvelle constitution qui va réunir tous les Congolais dans la Mesa Moko, tous les ensemble, 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 tous les chrétiens, tous les ensemble, la Bible, et si qu'il y a une directive, les musulmans, les juifs, la Torah. Donc nous les Congolais, nous une république, tire la directive dans la constitution. Nous avons tous les gens qui ont été en train de soutenir, nous avons tous les gens qui ont été nouveau mandat, tout le monde est dans la 4e république, tout le monde la classe politique, on y est. Un manque d'inspiration, fatigué un peu, je peux dire. Donc, bâtir un peu de place pour une nouvelle génération avec des nouvelles idées pour avancer ces Congo. Les Congo souffrent. Congo fort, parlez bien de vous. Parce que puis nous avons tenu Congo fort, accueilli à Saliba, action à Congo partout. Tout le monde a arrêté sur le terrain. On a participé à des réunions avec des colloques sur place au Congo. Tout le monde a tourné à souffrir. Donc, ils ont demandé que nous devons changer les choses. Congo fort à Lingui, un revenu minimum de 100 dollars pour la jeune de 18 ans à 25 ans. Congo fort à Osenga, scolarisation de 2 ans et demi. Pour l'éducation, dans le Congo fort à Lingui, pour appuyer gratuité à ses membres au Kozamboka parce qu'ils sont très utiles. Qu'on éduquait Mboka. Tu vas dire pendant longtemps, le Congo est comme un phénomène ébélé. Bakuluna, Bakidnapper, Oba Kabakaba, Oba Mbongue, des trucs un peu bizarres. Oyo, bisous à Congolais, tu vas supporter, tu vas croiser les bras et les Kabongo. Étant politique, nous devons être là. Nous, Congo fort, pour la députation, aujourd'hui, vous allez m'excuser, parce que vous avez d'accord, on a été passé à la Congo. Moi, je ne suis pas d'accord dans le système Oyo. Il y a Batoubao qui nous fait ça, Batoubao, pour va voter Bango. On a plus de en corruption. Pourquoi? Parce que vous avez fait ça, on va voter. Mais après, il y a un bon moment de penser, on va récupérer en haut. Mais attends, quand tu vas prendre le pouvoir, tu vas servir le peuple, mais tu vas d'abord remplir la poche. Ce sont des choses que nous devons combattre tous. Ça n'amènera le pays nulle part, droit dans le mur. Donc ce qui est important aujourd'hui, surtout la campagne de Oyawana, nous devons nous opposer à des pratiques malsaines, humiliantes. Oyo, bah donc tiens, bah lorsque on a ces, bah toujours que le quota basolia, oh, maputa, l'euro, bah 100 euros, bah 100 francs, bah donc paye ça bateau. Là, Congo fort s'oppose catégoriquement. Nous voulons un changement de mentalité. Nous voulons que ces élections aux Oyawana nous puissions donner les projets contre les projets, pas à manger contre l'argent. Papa Siumbongo, l'IA tient la poche, mais nous avons un projet de société, Oyo, pour avancer. Pour finir, mes amis, on a aussi dit ça, tous ces Rwandais soutiennent la Bino. Pourquoi? C'est une grande joie dans Congo fort. Si les camarades de Congo fort qui sont là, s'ils peuvent s'élever, bah acclamer, bah inviter la Bissau. Surtout à maquiller la Bino, vraiment. Merci beaucoup. Je ne vais pas m'éterniser sur le micro. Je dis merci à tout le monde. Il y a beaucoup à dire, mais je ne vais pas tout dire ce soir. Aujourd'hui, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est notre 4 ans d'existence, notre anniversaire. C'est pas facile. Congo fort est devenu parti politique, c'est moi, au mois de décembre, le 22 décembre dernier. Aujourd'hui, Congo fort, par vous et avec vous, Congo fort ira aux élections. Voilà. Pour dire la vérité, financièrement, c'est pas terrible. Donc, on est là. Vous connaissez tous, voilà comment on vit ici la réalité des choses.
Donc, toi tu veux que le Congo soit réellement fort, ne veux pas jeter ton argent dans les trous. Vise bien. Au Congo, faut nous disons, voyez grand, visez grand et rêvons grand. Donc, regardez bien où vous allez mettre votre argent. Vous avez des bonnes idées, venez avec. Ne venez pas nous décourager. Venez nous encourager, on en a besoin. On a besoin de tout le monde. Dans notre diversité, nos partis politiques, quand je vais à ACP, je vais à MLC, je vais à l'UFPS, je vais à Maman Bijou Boma, je vais à Vieux Johnny, que j'ai salué là-bas, Maman Chantal, Afasso, tout le monde que je vois là, Docteur Otto, tout le monde, Maman Esther, Vieux William, tout le monde qui est là, Kabat, voilà, camarade Batina, elle vient de Liège, à qui nous disons un grand merci. Et courage. Nous saluons Camarade Justice Prosper, tout le monde qui est dans la salle, je vous dis un grand merci. Sans oublier aussi notre camarade Combe qui vient de Compiègne, qui a une activité le 21, allons la soutenir. Ça sera une très bonne chose. Je dis et je vous remercie. Avec un état de droit, président Papi Tchamala. Congo fort, Congo fort. Misala ba Congolais, to sangani poto longola banti valet. Congo fort, yeah. Congo fort. Nous sommes pour les changements des mentalités. Merci Mingi na motuna na yo et surtout na curiosité na yo. Et si Kanyos Bazolo de la Congo, ils sont tous allés obligés de tous à la Rwanda. Parce qu'avenir à Congo, ils veulent dépendre de la participation de la prison. Voilà pourquoi tout ça en là. Et Mingi Mingi pe Moutou Kotala Lilo, Moko ya et Lenge Oyo,
tambola kinae zela moko alors ne va pas comme on a ce qu'il a appelé zela nae et mon mon biso tant qu'il va par non quoi va parler qui tout ça baya et couper ça et venir accompagner parce que monique a assimilé les sesiwana oyo batunutu na biso ko basi balanda makambo oyo na kanisa ka mingi na kondo Par rapport à deux mots, il y a deux pèses, et là, comme on a fort, il y a un niveau qui est là, il y a une vision. Bon, et là, au moment où on a un niveau qui la vision, il y a un Zaka Moko, on a un peu de temps, qu'il faut avoir un peu de temps, le col a un peu de temps, le col a un peu de temps, le col a fait un peu de temps. Il faut toujours un esprit dans la moto. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que vous Landie, tout n'a qu'il peut moutonana, il y a un opponé pour la peine de mort. Mais nous sommes démocrates, tout le monde a quand même la solution, il y a sous la solution, il y a faiblesse. Voilà. Pour l'ingine, Azalande, à l'ouka mécanisme, qui commet maïque, avocat pour conscientiser, pour moraliser, tout pour éduquer le peuple. Parce que le peuple, ce qu'il a éduqué, à cause de la cantade à Ebele Belete, dans mon assembo, et mon tout sousou, à mon kiko yiba, tout pour ça, et l'autre pour Nanzala. Donc, ce qui est bon, parce que à Sala qui est pour Nanzala, on a fait que même la mission en Zambé, nous allons pour la moins justice. Les points où on a zoé, bête à cette époque. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. On vous ferme. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous dis que non. Vous avez un président qui va soutenir le problème des Africains, pas seulement des Congolais. C'est un enfant de Dieu, ce Dieu qui l'a donné le pouvoir pour diriger les peuples congolais et les peuples africains. Attendez-vous, vous-même, attendez-vous. Merci beaucoup. Bon, je remercie à tout le monde, je dis vraiment merci beaucoup à vous. Votre présence est... Vraiment, Dieu merci que vous êtes en vie, vous êtes en force. Il faut croire que le Congo va changer. Le Congo va changer. Avec la présence, c'est des chinois. Mettons ! Merci.
personne ne tient au milieu. C'est pas juste une lumière. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter pour briller, il faut danser pour briller. Maman est belle? Présente. Présente